Et voilà, nous sommes une semaine après que j'ai déposé la nourriture. Donc là, les petits chats sont là, vous voyez, ils m'attendent. Donc on va aller voir l'état des gamelles, si mes gamelles sont toujours là. Ah, les petits cœurs! Les petits cœurs! Ils se cachent, hein, mais en fait, ils me connaissent bien. Donc ils ont reconnu le bruit de ma voiture, très certainement. Alors, à chaque fois, c'est la surprise. Voyons, voyons. Oh voilà, donc c'est bon. Les gamelles sont toutes là. Elles sont juste bah vides. Ça va, ils ont tout renversé. Mais tout est là. C'est génial. Donc je vais m'occuper de ramasser ça. Je vais nettoyer ça. Et puis je vais les re-remplir. S'il manque juste la petite, je crois, de lait. Non, il y en a cinq. Non, c'est bon. Voilà. Regardez, ils sont juste là. Ma petite chérie, ça va ma chérie? Oui, t'es belle. Par contre, j'ai peur parce qu'elle est sur la route. Mais elle est là et ils s'attendent. T'es belle, ma chérie. Donc, elle est jeune. Hein. Je pense qu'elle a moins d'un an. Hein. Ma petite chérie, on va donner le manger? Allez, on y va. Voilà. Alors là, j'ai terminé de donner à manger. Donc, vous voyez, ils sont tous là. Ils attendent. Donc là, il est bientôt 19h. Donc, c'est l'heure en fait où les chats sortent. Donc, comme vous le voyez, il y a un tigré. Moi, je pense que c'est une femelle. Mais après, ça ne veut rien dire. C'est bizarre parce qu'elle a les yeux un peu opaques, comme si elle avait un voile aux yeux. Doit y avoir au moins 5-6 noirs. Donc, j'ai vu aussi un noir et blanc. Alors, lui, je ne l'avais jamais vu. Et il y a aussi un tigré blanc qui me paraît adulte. Donc, là, vous voyez, je les approche quand même. Relativement facilement, mais au bout d'un moment, voilà, ils partent. Donc, en fait, ils vivent. Voilà. Donc, c'est un endroit abandonné. C'est une maison abandonnée. Donc, on va aller voir à l'endroit où j'ai mis la nourriture. Donc, là, vous voyez, il y en a un. Voilà, il sort. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, ils n'ont pas peur de moi. Et en fait, il y a un gris, un blanc étigré. Est-ce qu'il est là? Voilà, il est là. Et lui, je sais pas, c'est bizarre, c'est la première fois que je le vois. Donc, il se jette sur le lait que j'ai dilué avec de l'eau. Donc, c'est du lait pour chaton. Là, il y a 4-5 petites bouteilles. Donc, il y a, vous voyez, les trois petites gamelles à côté. Deux croquettes. Donc, c'est des Briskies, Friskies. Et derrière lui, il y a la gamelle de terrine. Donc en boîte, ça représente 15-20 boîtes. Et à côté, des croquettes Ultima que je mélange aux croquettes Canaillou. Parce qu'en fait, ils détestent les croquettes Canaillou. Et du coup, on est obligé de ruser. Et à côté, derrière, il y a une petite gamelle d'eau. Donc là, il y a... Oui, il y a... Bon, il y a 7 gamelles. Mais bon, moi, je me dis que mes chats, voilà, ils auront ce qu'il faut. Et ce petit chat-là, c'est bizarre, c'est la première fois que je le vois. Petit chat, coucou chérie. Donc, je ne sais pas s'il a quelqu'un ou pas, mais en tout cas, après la fin du confinement, je sais que les autres, ils appartiennent à personne, ça c'est une certitude. Mais ce chat-là, il m'a l'air vraiment moins craintif que les autres, hein, ça se voit. Donc, je ne sais pas, on va essayer de voir avec la veto. De l'identifier. Je vais regarder sur Pet Alert par rapport à l'endroit. Mais bon, après, ça ne veut rien dire parce que les chats bougent beaucoup. Donc voilà, je fais une petite vidéo. On ne sait jamais si ça circule et que une personne reconnaît son chat. Vous voyez, je veux dire, là, il vient tranquille, quoi. Bon, il est à même pas 2 mètres de moi. Il se méfie, mais. Mais je veux dire, il n'a pas du tout le même comportement que les autres, quoi. Vous voyez, les autres, ils sont là-bas, quoi. Ils attendent. Et c'est vraiment bizarre, ce comportement-là. Je vais enquêter là-dessus. Donc voilà, là, on va laisser mes bébés manger, hein, parce qu'ils ont faim, mes petits cœurs. Et puis voilà, faut qu'ils profitent. Là, tout est frais. Allez-y, mes petits cœurs. Donc voilà, donc n'hésitez pas si ce chat vous dit quelque chose ou je ne sais pas. Parce que là, franchement, c'est la première fois depuis toutes ces années que je le vois. Les autres encore, je les ai vus petits.
Je sais qu'ils viennent d'ici, donc voilà. Mais ce chat-là, parce qu'il y a déjà des personnes, bonjour toi, il y a des personnes qui ont déjà abandonné leur chat ici. En fait, ils savent que je viens manger et il est vraiment beau son tigré à lui. Et ils savent que je viens manger et du coup, ils jettent leur chat ici. Donc voilà, c'est pas cool. Donc là, ils vont à ma voiture. Donc en fait, souvent, ils s'amusent à marquer ma voiture. Vous voyez, il est là d'ailleurs. Donc il va en dessous. Et en fait, ils viennent voir parce que c'est là où j'ai mis toute la nourriture et j'ai rincé. Donc voilà, pour pas qu'il y ait de danger, pour pas qu'ils viennent sur la route et pour pas qu'ils soient s'écraser. Est-ce qu'il est là ? Non. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et n'hésitez pas à partager si vous voyez ce chat. Les petits minous. Les chéris. Va manger, chérie. Va manger. Donc, vous voyez, ils me connaissent. Hein. Ils me connaissent bien. Ils me reconnaissent. Ils connaissent ma voiture. Et voilà, je suis rassurée. Ils ont à manger. C'est le principal. Voilà. Au revoir. Bonne fin de journée.